Jeudi 23 novembre 2017, bonsoir tout le monde. C'est avec un pile plaisir nous rentrer la CAO pour nous porter pour quatrième, qui c'est toi avant-dernier, sortie information culturelle lyonnaise passionnée pour ce maintenant. Mais quelques points nous pourrons développer pour Assoyant, René Depestre, On ne rate pas une vie éternelle. C'est un petit film documentaire cinéaste Arnold Antonin, il a présenté par le grand public là, mardi qui a 28 novembre, Caribe Convention Center. Arnold Antonin, il continue à incarner dans mémoire nous grand l'esprit et créateur haïtien. Boom Ambiance, c'est un programme culturel direction Théâtre National d'Haïti, il a mis sous pied, sorti 28 pour arriver 31 novembre qui a venu là. Danse, théâtre et musique, yon façon pour capable clôturer l'année 2017. Là. Programme Nations Unies pour développement PNUD, notre tête collée avec l'ambassade Canada et puis Centre d'Or. Ils ouvrent un atelier qui a duré 4 jours avec participation 6 artistes sous thème Mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Zo Kanzo, c'est un nouveau recueil poésie à Anivens Jean-Baptiste, lui-même lui présenté par le grand public. Il y a 50 pages. Pour être l'envelé, sensibiliser chaque grain haïtien sous effort et doué faire pour capable reconstruire le pays. Après, on pose et on tourne tout de suite pour les détails. Depuis 47 ans, j'ai toujours fait l'axe aussi pour m'offrir ce qui est plus bon. Depuis tout le temps, j'ai représenté Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sur la terre. C'est comme ça que j'ai respecté le pays avec Frémio. Mais si nous pirater le travail, moi, si nous refuser de payer pour le travail, moi, c'est parce que nous ne respectons pas. C'est parce que nous ne parlons pas. Et puis tout, chaque note que je compose, c'est une déclaration de l'amour pour nous. Respecter le droit comme artiste pour nous continuer à battre tout ça que nous avons gagné pour nous. Nous retournons et nous disons merci pour fidélité à l'information culturelle. J'en s'était annoncé dans titre. Après succès dans Ville Jacmel, avec plaisir à l'autre côté dans Modelan, cinéaste Arnold Antonin y apparaît pour présenter par le grand public là, mardi 28 novembre 2017. Là, film documentaire René Depestre, On ne rate pas une vie éternelle, dans le Caribe Convention Center. Arnold Antonin y continuait voulait incarner dans mémoire société hein, grand l'esprit avec créateur haïtien yo parmi yo René Depestre comme écrivain. D'après cinéaste là, il est important pour lui montrer talent, capacité, sens révolutionnaire avec contribution écrivain René Depestre, lui-même était porté à travers écriture dans différents mouvements pour porter un changement dans situation critique paysan avec l'autre côté dans monde là. Arnold Antonin, dans une chronique Sonda Verman avec Bernard Marseille. Monsieur est un roman relé Adriana dans tous mes rêves qui prend prix Renaudot, donc il n'a plus prestigieux prix littéraire français. Mais en français, le prix, Goncourt des lycéens tout de nouvelles, non pas le prix des lycéens, le prix nouvelles Goncourt pour livre Monsieur Moutouvé qui puis bien et puis intéressant. Même Alléluia pour une femme jardin. Mais moi-même personnellement, l'homme de qui est là, c'est ma dépeste. L'homme de Timoun. Moi, tant qu'on pile l'autre jeune haïtien, nous avons un poème de peste, le terrelé, face à la nuit. C'est un poème sous, c'est peut-être le premier poème qui écrit sur l'enfance en domesticité. C'est l'histoire d'un petit domestique dans la zone Jacques Mel. J'ai traité mademoiselle dans le caille côté de hein, et finalement, il finit dans la prostitution. Donc, tout le monde face à la nuit, nous te connaissons. Donc, dans le film, non seulement je raconte la vie des pestes, toute aventure, ça, toute aventure politique, aventure littéraire, mais le film, c'est en même temps tout un morceau choisi des œuvres de dépeste. Niveau culture, monsieur Sayo, importance qui a été baillée à la culture, à la connaissance, et en même temps, audacieux, talent. Yo. Et ce n'est pas d'une qui t'a voué monter. Je t'a voué monter tout un peu, oui, parce que j'ai 19 ans, j'étais très jeune. Mais l'on pense que c'est des orateurs, tant que Jacques Séphine Alexis, tant que Blancourt, tant que Depestre, des écrivains de, avec de tels talents, qui étaient dans la tête du mouvement Sayo. C'est dommage, le mouvement Sayo pas aller loin, parce que opportunistes politiques ont dévoyé le mouvement, ont contrôlé le mouvement, et
dans une certaine mesure, ils ont contribué à ce que nous avons aujourd'hui. On n'a pas une vie éternelle. Est-ce qu'il y a une symbiose en thématique ça avec l'avantage des dépêches? Oui, parce que c'est des dépêches même qui disent où. Ils disent ça que si nous pas profiter de la vie sous la terre, là, eh bien, nous avons perdu. Parce que la vie éternelle pour lui, c'est la vie qui vit sous la terre, je vous dis. Donc c'est le présent pour nous construire, pour gagner le bonheur là-dedans. Pour cette vie éternelle, ça. Or, si nous ne pas profiter de lui, nous attendons pour c'est après seulement, nous résigner, nous avons dit l'espoir fait vivre. Puis devant, nous avons récompense, là, nous mourir. Et puis nous arrêter de façon fataliste, nous accepter destin malheureux que nous vivons sous la terre là. Et bien, selon lui-même, dit pas bon. Nous continuons avec Pakyo Tong. C'est avec thématique ça, comité, organisation, faculté, sciences associée avec l'école normale supérieure. Ils ont lancé première phase un concours sur mathématiques avec dissertation philosophique. Jeudi 23 novembre, dans la faculté sciences, là, pour capable rendre hommage à professeur Pierre Pakyo, ancien recteur Université de l'État d'Haïti et puis ancien membre direction faculté sciences pour excellence à contribution l'été poté dans l'espace université. Concours ça qui a démarré dans le mois janvier 2018, il gagne pour objectif développer capacité scientifique kay élève yo, permettre yo réfléchir sur rapport qui gagne entre philosophie avec l'autre domaine yo, d'après Franklin Benjamin qui est professeur dans l'école normale supérieure avec Edgar Etienne, lui-même qui s'est conseiller dans la direction faculté sciences, qui définit modalité concours. Je vous invite à suivre une après l'autre dans mes connexions d'Averman avec Bernard Marseille. Il y a en général dans le pays une sorte de dichotomie entre sciences humaines et sciences dures et les mathématiques, comme quoi pas de rapport entre les deux. Et alors que histoire sciences, histoire philosophie des sciences montrait que et réflexion mathématique, il était toujours marché avec la philosophie, justement. Que ce soit ou t'as pris Aristote, et qui dit la philosophie comme la totalité des sciences, y compris les mathématiques, que ce soit ou t'as avec Bachelard, qui travaille en pile sur question ça, et que ce soit ou prend avec Descartes, ou t'as pris plusieurs autres exemples, donc toujours gagné en cheminement entre réflexion philosophique là et pratique mathématique là. Et troisième raison, c'est parce qu'en Haïti, nous faisons science en général, mais nous pas prendre temps pour nous réfléchir sur pratique scientifique, justement. Et domaine parmi lesquels vous êtes capable de réfléchir, à travers l'épistémologie, la philosophie des sciences. Comment on peut dérouler dans diverses parties du pays, hein? Que ce soit Port de Paix, Cap-Haïtien, Wanamet, Gonaïve, Saint-Marc, Mirbalet, Inch, Miragouane, Port-au-Prince, Jacmel, Lekay, Jérémy. Donc, tout côté, ça va bien concours. Alors, nous-mêmes, nous avons déplacé à jeunes élèves. Donc, nous avons organisé concours. Chaque école a envoyé trois représentants. Nous avons trois représentants par l'école. Donc, c'est l'école qui a choisi. Et puis, nous avons fait des concours. Qui ça a bien dans le concours? Premier bail, nous avons envoyé des textes philosophiques pour résoudre des exercices de mathématiques. Objectif, c'est qui ça? C'est faire des sélections successives de meilleurs élèves. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons joué date importante. Premièrement, nous avons un lancement officiel là, le 9 janvier 2018. Après, nous avons mis en ligne document pour nous faire la première partie qui est dissertation philosophique. 15 février, nous avons eu le premier tour. 13 avril, nous avons eu le deuxième tour. Et 17 mai, qui est le jour des professeurs, nous avons profité pour nous remettre primio dans une cérémonie qui a fait dans la faculté des sciences. Alors, site côté nous qui a joué information, c'est site faculté des sciences, cfds.edu.ht. Depuis lundi 20 novembre passé, le programme Nations Unies pour développement PNUD a été collé avec l'ambassade Canada et puis Centre d'art. Il a organisé un atelier travail avec participation 6 artistes sous thème mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Activité ça a duré 4 jours, il a permettre artisans de travailler ensemble pour réaliser un zevda ou soit une fresque côté initiateur capable exposer li dans ambassade Canada journée qui a samedi 25 novembre là dans occasion journée internationale lutte contre violence aux femmes.
D'après directrice principale PNUD Lan en Haïti, Yvonne Hell, 4 journées atelier Sayo, il fait partie d'un dibida lot pour sensibiliser la société hein, sous affaire violence sous femme. Précision li, toujours dans mes chroniques Sonda Verman avec Bernard Marseille. Les 16 jours, on aura donc beaucoup d'activités qui rentrent dans ce même thème. Et donc, aussi, je sais que le 25, quand on démarre vraiment le processus, le ministère des Affaires féminines va ouvrir officiellement. En même temps, entre le PNUD, le Programme Nations Unies du Développement, et l'ambassade du Canada, on a décidé d'appuyer des jeunes artistes sur ce thème pour effectivement développer un collage qui peut être traduit dans une pièce d'art. Et cette pièce d'art va effectivement inspirer pour des discussions. Donc c'est ça l'idée. Les 16 jours d'activisme ont le couleur orange et vous allez voir beaucoup d'orange dans toutes les activités. Vous voyez aussi que les pièces d'art qui sont en train de développer ont aussi cette couleur orange comme couleur centrale de leur activité. Il y a 6 artistes qui participent et donc il y a 5 artistes qui sont en train de faire de la peinture. Et il y a aussi un artiste qui est en train de faire, je ne connais pas le mot, le traditionnel, l'art traditionnel haïtien. Et donc on va faire un collage de ces pièces d'art qui va être transféré dans de plexiglas finalement. Le fait qu'on a mobilisé les artistes sur un sujet comme ça et qu'on peut encore avancer l'information sur l'importance de réduire et éliminer la violence contre les femmes et les filles, très important. Donc on cherche n'importe quelle manière de tirer l'attention sur ce sujet. Pendant 4 journées d'activité ça, eh bien, Tizan Yoshita mettait plus accent sur peinture avec art traditionnel. Dans l'interprétation, les plasticiens ont développé plusieurs thèmes qui gagnent à ouais avec victimes dans la société. D'après Myriam Pierre avec Jerry Sterling, bataille contre violence sous femme avec l'autre monde dans la société, elle doit impliquer tout secteur dans la société pour changement comportement. Tendez impression de plasticien yo toujours dans mes chroniques Sonda Verman avec Bernard Marseille. M'a fin faire ben ça m'a découpé m'a fait un collage avec et puis n'a plaqué dans fond et tableau à faire collectif. Oui, oui, ça arrive souvent parce que des fois mon connait Marie-Lé les sorti et puis monsieur est venu parce que lui même il était déplacé tout au moment de jalousie, il dit bon on te sorti à un monde. Les battles comme même arrivé tuer le tout. Premièrement, ça pour d'agir son sensibilisation pour ta fête, pour y parler sous violence en plus et puis pour faire connait toute qualité de violence qui gagne parce qu'il y a plusieurs types de violence. Violence dans l'âge, vous comprenez qu'il y a plusieurs types de violence, son sensibilisation qui pour ta fête au niveau société noire, jeunes yo et puis pour tout le monde qui connaît que violence pas bon souffle. Fait qu'on est tant que j'en saute mentionné à côté nous sommes garçons m'a travaillé sur question violence contre femmes ben c'est et il très important parce que fille pas seulement fille pas capote message là parce que son message qui pour développement société a son message qui pour aider moun yo prendre conscience ni garçon ni fille yo gain rôle yo gain partition par yo tout pour yo jouer dans genre de activité ça moi-même moi présenter yon yon timoun parce que timoun yo même yo subi plus violence surtout nan fami yo subi des violences soit ou pa voye l'école sous prétexte que yo se fi et plusieurs violences que m'ka cité tant que violence physique, violence psychologique et même moi représenter timoun sa là qui pour ton message regardez genre après là ou elle gagne en sorte de microphone dans main qui pour ton message côté pour algo équipe Simon Del et cap revendiquer des droits. Nous arrivons dans un moment pour nous prendre deuxième pause nos amis téléspectateurs on a pas invité à continuer brancher TNH. Cassandra, Julia, Jessica, ces 3 jeunes étudiants qui gagnent pile passion pour musique, surtout pour rap à compas. Toi jeune mesdames Sayo gagne habitude marcher dans la rue avec téléphone, casse oreilles, chat avec amis, sans pas avoir aucune attention à monde qui dans environnement yo. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà.
Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça a gagné sur la vie ou l'on choisit utiliser téléphone n'importe qui façon pendant la rue? On ne suspend mauvaise habitude ça yo pendant à utiliser téléphone. Si un message Radio Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Et merci parce que toujours branché information culturelle lyonnais espace fenêtre là et qu'on y en a fait qu'on est 3e édition plateau des jeunes talents réalisé à Nessa encore avec musiciens, chanteurs, ingénieurs son qui ont participé dans 2e édition. Il y a une équipe formateur qui sorti dans pays Belgique et bien ont fait déplacement pour venir former eux. Jeunes ça yo gagné pour aller dans pays Belgique tout pour continuer avec formation technique musicale yo recevoir. Haïti Musique Melender Sandler a dirigé, c'est une association professionnelle qui organise diverses activités dans souci pour renforcer talent géniaux dans le pays. Nous invitons à suivre un extrait à responsable projet SILA, dans micro Leslie Rachel Pierre. Activité ça, les plateaux jeunes talents, c'est 3e édition. Chaque année, il y a une équipe de formateurs qui viennent de la Belgique et qui viennent de une association qui est les Talia ASBL. Et ça fait 3e édition que Yab vient à chaque fois pour Yobay en formation pour quelques musiciens, chanteuses, techniciens de son pour Yab vient mieux dans ça que Yab fait. Première édition, nous te prenons un paquet de monde. Et puis deuxième édition, nous te prenons l'autre monde encore. Il faut qu'on ait tout que après semaine ça, qu'il y a passé un stage avec Moun Sayo, il y a pris en Belgique tout. Et puis il y a fait une formation en Belgique et dans un festival. Et nous décidons après deuxième édition que nous pas prenons l'autre monde, que c'est même monde qui était dans deuxième édition, que nous prenons renforcer dans formation yo. Donc moun ke wa pou aswea, c'est des moun qui étaient déjà participé dans deuxième édition et que yo t'es participé en Haïti puis yo t'es allé tout en Belgique tout. Artistes yo pas voyagé pour aller performer. Haïti Musique sont association de professionnels et nous là pour nous renforcer secteur là. Mais nous parlons d'agence de promotion, chanteuses ou chanteurs que nous sommes là, et musiciens et techniciens du son, ils ont pris des formations. C'est ça qu'ils ont fait semaine ça, et c'est ça qu'ils ont fait, ils ont le faire encore en Belgique. Nous là pour nous renforcer, pour nous renforcer talent, pour nous venir plus bon dans ce qu'ils ont fait. Esther François, lui-même qui chantait dans le groupe Echo, lui présentait un vidéoclip réalisé qui portait nom Combit. Musique ça lui parlait de jeunes qui a quitté pays chaque jour pour aller chercher la vie meilleure alors que il quitté un paquet activité tombée. Artiste l'en fait qu'on est avenir groupe lancé dans même peuple haïtien lié, c'est pour ça il invité citoyen yo pour Corelli dans micro Mianta bien-aimé avec Hervé. Combit c'est en musique qui social, c'est une musique côté que nous même n'a parlé de jeunesse paysan, de gens paysan a déroulé dans mais nous. Alors c'est une musique qui sur album Echo tout. Nous gain là qui vidéo clipé. Alors c'est pour ça aujourd'hui que moi là, moi vienne fonti parler de musique ça. Combit là c'est une musique qui très sociale côté que ou je n'ai pas qu'être activité dans musique ça, on pas qu'être bagaille qu'a parler côté que jeune nous a quitté pays a déstabilisé après chercher la vie dans l'autre pays, c'est ça qu'on bit l'en parler. Normalement album est courant à supposé sortir après carnaval. Nous gain date ça aussi après carnaval n'a plagué mais nous pouko kaba exactement une date vraiment mais nous connaît après carnaval n'a gain chance pour nous capable ouais album est quoi nous gain plusieurs musique déjà qui déjà sorti. Alors bah c'est fan nous a pris un petit patience pour nous après carnaval n'a capable jeune album et quoi avenir groupe là li pas dépend de nous-mêmes comme ça tout n'a travail pour que nous arriver faire avenir groupe là mais c'est dans mes fan yo lié. Et qu'on continue avec Théâtre National d'Haïti, lui-même qui participait dans le commencement mois novembre, dans un festival à qui ont spectacle dans le pays de la France.
Et spectacle ça a l'hypothèse en pile fruit pour l'institution, hein, d'après le directeur général Yves Penel. Lui-même qui confirmait qu'il y a quelques promoteurs français qui sont intéressés avec eux et qui a fait des marches pour être capable d'aller faire une tournée dans le pays européen avec répondre à l'autre invitation. Directeur théâtre national Yves Penel, il fait qu'on est à partir 28 pour arriver 31 novembre. Il va organiser une activité culturelle qui baptisée Boom Ambiance. Là, dans la gagne théâtre, musique, dans souci pour clôturer l'année 2017. Là. Précision li, dans micro, Leslie Rachel Pierre. Naturellement, nous participer dans un festival plus un spectacle en salle. Et effectivement, théâtre l'a fait toute salle qu'on est, journal Le Monde d'Île, tout côté d'Île. Et nous-mêmes, nous gagnons un spectacle en salle là, qui était la Bougini, alors qui était dans la zone Saint-Denis. Nous, son salle qui a pris 800 monde. Alors, théâtre n'a pas pâclé. Or, nous, sorti Paris, nous tout tombé en République dominicaine, côté que nous avons dit tout dominicain merci parce que vous avez bien reçu nous et en plus vous êtes satisfait du spectacle que nous avons réalisé. Et nous-mêmes, nous disons merci et merci en pile parce que nous-mêmes, vous avez compris le travail que nous avons fait et nous disons haïtien l'autre bord qui était qui te couvri nous dans un hôtel là qui vient dire nous merci parce que vous êtes satisfait du spectacle que nous avons fait. Voilà. Alors, et nous tellement, et spectacle là tellement bien passé à Paris, normalement, quand il y a Blanc qui était là, promoteur qui était là, ils ont demandé pour nous faire une tournée européenne. Voilà, donc, puis l'invitation commence à venir là. Nous disons merci, merci, merci parce que vous avez compris le spectacle que nous-mêmes nous avons offert et nous disons merci pour ça. Nous n'avons pas qu'à quitter fin d'année à passer pour ne pas faire activité ici. Eh bien, activité ça, c'est une activité en grande envergure, qui a théâtre, qui a danse, qui a musique, qui a défilé de mode, qui a tout bagaille là-dedans. Dans ce sens-là, nous demandons au public là, pour très motiver tout artiste qui besoin vinn exposition qui vu besoin vinn exposer affaires vinn défilé de mode designer nous nek qui gen pièce de théâtre pour jouer nek qui gen musique qui gen jazz vinn inscrit dans direction artistique théâtre là parce que fon clôturer fin d'année en beauté. Zokanzo, c'est titre nouveau recueil poésie Anivens Jean-Baptiste li présenté by grand public là. Jeudi 23 novembre 2017, là, dans le local Direction nationale livre DNL. Recueil poésie, ça a gagné 50 pages seulement. Il parlait sous sensibilisation chaque grain haïtien doit faire pour arriver à reconstruire la société haïtienne. Non. Anivens Jean-Baptiste li dit li joigne sous inspiration li dans vodou haïtien. Hein? Dans suivre messe avec coutume nous pour aider à réfléchir. Lecteur capable acheter Zokanzo dans édition Choukoun, société Koukouy pour ne citer ça seulement. Auteur a dit il y a travail pourquoi il est là pour livre là, lui-même qui sorti en babanière regroupement écrivain créole haïtien pour les capable disponible tout dans plusieurs librairies Port-au-Prince. Il y a un extrait dans micro Joanne Jacquet avec Bernard Marseille. Zokanzo qui c'est un livre qui pas ni sous vodou ni un livre vaudou, mais c'est un livre qui joint une bénédiction, une inspiration vaudouisée. Je pense que le poète qui a écrit dans la langue créole, si tout, doit entrer dans une dynamique, plonger jusqu'à dans le fin fond qu'il dit peuple haïtien, plonger jusqu'à dans le fin fond pour peut-être pas, plonger jusqu'à dans le fin fond dans le collectif là. Pour yo wè comment yo capable de joindre yon énergie nécessaire, comment yo capable de joindre yon énergie, yon puissance, yon force road portée pour influencer moun k'ap viv nan société côté ouya. Qui fait Zokanzo li même c'est yon exercice plongement jouk nan fin fond nan mwen pour me joindre qui ça me capable de joindre comme énergie, pour me joindre qui ça me capable de joindre comme force pour me dire non quand yon ensemble bagay nan société a. Yon nan premier sens nou ka pouwe pou Zokanzo, là nou pran Zoa pou kol. Zoa, ça gen rapport avec on parti nan commun. On zo. Deuxième sens encore, zo, ça capable gen rapport avec domino. L'objet domino. L'autre sens encore gen doit gon sens l'argent. M'pa gen zo. Quand Zoa li même son thème qui sorti nan vodou haïtien qui veut dire ou gagne pouvoir sous dife.
Je pense que journée aujourd'hui pour le pays, pour l'autre direction, écrivain yo doit impliquer. Et c'est sous précision poète Annie Vince Jean-Baptiste mettait en bout dans 4e sortie fenêtre là qui c'est trois avant dernier paraître pour semaine là. Nous te content avec vous pour nous te présenter aux informations, on a croisé deux mains dans l'autre édition. N'a pas invité au passer une très bonne soirée pendant après t'es branché TNH pour reste programmation. Au revoir.